Bienvenue à tous, PSGOM, le classico, un match attendu, toujours spécial. Un club. On va vivre un grand moment dans cette saison. Un club immense. Et si une nouvelle ère commençait? Et si tout était relancé? Et si le match des matchs changeait de vainqueur? PSG Marseille, la légende s'écrit au présent. Premier match aussi de Rudy Garcia en tant que nouvel entraîneur de l'Olympique de Marseille. Des Marseillais très bien organisés dans un système à 5 défenseurs. On a vu une première mi-temps très tactique et même parfois un petit peu ennuyante. Les Parisiens monopolisant le ballon. L'action chaude, c'est Cavani qui aurait pu obtenir un pénalty, je vous laisse juger. Action extrêmement litigieuse, il y a contact, Cavani peut-être en rajoute. En tout cas, pénalty non sifflé, 0-0, c'est le score à la mi-temps. On pensait alors que le PSG allait accélérer en seconde mi-temps, mais les attaquants parisiens, et notamment Cavani, allaient se montrer encore une fois bien trop maladroits. Super débordement de Blaise Matuidi et Cavani qui manque de marquer dans le but vide. Des erreurs qui coûtent cher, 0-0, c'est le score final, 17 tirs pour les Parisiens, 0 tirs pour les Marseillais, mais une défense très très solide. Et même Atem Ben Arfa, rentré en fin de match, n'aura réussi à débloquer la situation. Si on me donne l'opportunité de jouer ne serait-ce que 15 secondes, premièrement je ne refuserai pas, ça c'est sûr. Même pour 15 secondes je rentre. Te donner en 15 secondes, je suis sûr que je pourrais marquer un but. Eh ben non. Bref, 0-0, un classico, un sommet décevant dans son ensemble. Des Marseillais bons en défense, mais peu ou pas inspirés en attaque, et des Parisiens beaucoup trop maladroits, on l'a dit. On va se laisser, merci à tous d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme toujours, pensez à le dire, à laisser un like, un commentaire ou à vous abonner. On se laisse là-dessus, on se dit à bientôt pour, je l'espère, un meilleur match. Ciao!